Grand toi, ne baisse pas les bras. La victoire au bout de la bataille n'emmenait rien sans sa foi. Dans ce monde sans foi ni loi, une mélodie d'espoir pour ceux qui mènent le bon combat. Mais pourquoi vous vous dérangez tant que je marche avec Dieu? Mais qui peut me stopper? Ce bison va le réanimer à coups de rimes et de prose, Molan est inspiré. Real soldier, real hustler, we gotta do, we only pay a do pour faire ce qu'on a do. Soldier, real hustler, we got it too, we only pray à tout pour faire ce qu'on a tout. Ok, ok, ça vient des bas fonds et ça vise le sommet. Le son s'y sent bon, hein. Mais là je te promets, I wanna be somebody, somebody in this life, nigga. I wanna be somebody, somebody in this life, yeah. Je me battrai toujours pour job à la sueur de mon front. Le combat continue, droit au but, on va péter le score. Real soldier, real hustler, we got it all, we only pay à tout pour faire ce qu'on a tout. Demain on va gérer. Je suis trop pressée. La mère, tous les jours. Tous les jours tu dis demain. Demain n'arrive jamais, la mère. Demain n'arrive jamais avec toi. Paye une fois, tu pars avec nous, la mère. Ok. On dirait que tu m'attendais ici. Justement, je t'attendais. La mère, mets-toi pas ma place. Si tout le monde vient prendre le crédit comme toi, là, moi je fais comment? Dis-moi, petit, chacun vient, il prend, il part avec, il prend, il part avec. Moi-même, je vais vendre quoi? Regarde, regarde mon comptoir. Tu me dois dire 10 à 10 deux. Regarde ce que je vends. Non, mais je suis pas. Non, on ne va pas gérer la mère. Tu vas me donner mon argent aujourd'hui. Attends. C'est pour faire mieux quand tu parles comme ça. Hein? Tu peux même pas bouger où tu es là. Tu vas me donner mon argent. Comment ça? 10 à 10 deux déjà. Ça fait combien? Regarde mon comptoir. Non, la mère, donne mon argent. Attends, tu crois que c'est comme nous partageons pour de l'argent? Donne-moi mon argent. Si tu n'as pas l'argent, tu me donnes ton sac ou tes chaussures. Je ne peux pas laisser. Comment? Donne-moi mon argent. Ok. Et tu me fais sa vie comme ça? La mère, tu vas me donner mon argent. 20 000 francs là, c'est mon fonds de commerce. Tu connais la tenue ici? C'est quelle tenue? Ça a pris l'avion pour venir ici. Alloué, hein? Je suis sûr que tu as prêté la vie, je veux mon argent. Si ma fille te raconte, quand tu as de la grille, quelle vie? La mère, appelle le billet, tu vas me donner mon argent aujourd'hui. Lâche mon habit. Je ne laisse pas. Donne-moi mon argent. Je vais te froisser. Hein? Je dis que la mère, donne mon argent, trop c'est trop. Lâche mon habit. Tu vas me donner mon argent aujourd'hui là. Tu vas me donner mon argent. Je ne dois plus jamais accepter les vies. Il n'y a pas de problème, donne mon argent. Tous les jours, c'est la même chose. Tu viens, tu prêtes, tu n'as pas l'argent, tu prêtes, tu n'as pas l'argent. Regarde mon compte, comment c'est vie. Non, ça va, voilà 10 000. Voilà 10 000. Demain, ma fille va venir te donner. Ça ne suffit même pas. Oui, ma fille va venir. Il n'y a pas de demain. Ce soir, avant 19h, je dois avoir tout mon argent. Sinon, je vais débarquer dans ton cafétéria. Ce que je vais faire là-bas. Que tu peux faire quoi? Je dis que ce que je vais faire là-bas. Que tu peux faire quoi? Tu vas voir ce que je vais faire. Tu vas faire quoi là-bas? Je vais tout gâter. Tu es malade, hein? Quand tu es petite comme la mouche là. Essaye un peu. La mère, tu n'as pas peur de moi. La mère, tu parles encore haute voix. Tu veux que tu te déshabilles. Essaye. Je récupère d'abord ton sac et tes chaussures. Tu parles à la réunion là, pieds nus. Tu es trop malhonnête. Tu ne respectes pas ton âge. Tu ne respectes pas ton âge. Laisse-moi. Normalement, tu as l'âge de ma mère, mais je sens que tu manques de respect. Et tu me fais comme ça. Le foie. Tu vas faire quoi? Tu me manques de respect. Je te manque. Tu vas faire quoi? Comment vous respectez? Tu ne partais pas à la réunion. Tu allais faire quoi? Je veux mon argent, tu es tout comme ça. Je n'en plus, jamais. Ne viens plus. Et les autres, je ne viens plus. Ça va passer. Ça va passer, tu es Dieu. Tu es Dieu. Je parle à rien. Je passe ici, je t'appelle. Je ne viens pas, tu dois tout le monde. Je vais acheter les autres. Tu as compris, non? Tu ne viens pas, ça fait quoi? Je n'achète plus jamais. Tu ne viens pas, ça fait quoi? Et les autres, je ne vais encore plus jamais acheter. Tu es Dieu. Tu vois, tu parles à rien, tu vois. Elle est mal pour toi, là. Même comme ça, ne marche pas pour ça. C'est là comme elle est. Elle marche encore que c'est quelqu'un alors qu'elle doit tout le quartier. Yeah. Tu vas me remettre mon argent. Tout sur toi t'es prêté. Tu vas me remettre l'argent là. Tu veux que tu viens avec ta fille? Viens avec le billet. Tu viens seulement avec ta fille. Où sont les 10 000 là? Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui avec toi.
faut si mon bouquet vous m'y baisse, c'est clair que je peine à te combler. Il n'y a pas mis le volume, maman. Sunita, c'est moi. Qu'est-ce que tu me veux encore? Je veux qu'on cause. De quoi? À cause de toi, j'ai reçu les coups de maman. Tu devrais peut-être être estimée heureuse. Sunita, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi rien n'est jamais serré avec toi? Maman fait tout pour nous assurer une bonne vie, mais toi, tu ne l'aides jamais. Tu es sa fille préférée, donc laisse-moi tranquille, j'écoute ma musique. Sois juste un peu consciente, c'est tout. Bien, ma tête, ça n'arrive pas. Non, plus de film, bonjour, ma fille. D'accord, ma chérie, t'inquiète. Bonjour madame, est-ce que je pourrais voir Michel s'il vous plaît? Désolé monsieur, Michel n'est pas là. Elle allait faire une commission pour la patronne, mais elle sera là d'un moment à l'autre. Ça ne dérange pas si vous pouvez entrer l'attendre à la réception. Ok, c'est gentil, merci. Vous êtes une très belle femme, vous savez. Merci monsieur. Roger Mbeck. Michel là. En plus, un beau prénom. Ouais. Écoutez, je propose que nous poursuivons cette conversation autour d'un pot. Maman, vous perdez pas le temps. Ah oui, surtout pas quand je vois une femme aussi belle que vous, avec des formes. Et j'aurais besoin du numéro de téléphone pour caler le lieu du rendez-vous. D'accord. Tu peux? Alors, enfin, tu es là. Qu'est-ce que tu faisais avec ma collègue? Et ce sourire que vous vous partagez, là, signifie quoi? Oh, Michel, c'est pas le moment de faire la jalousie. On échangeait juste un peu. Qu'est-ce que son numéro fait dans ton téléphone? Ah. Écoute, Michel, tu m'embarrasses avec ces questions. Hein? Je suis venu pour... Écoute, considère que tu ne m'as pas trouvé. Bonne chance. Mon amour, c'est comment? Tu me manques de jet, tu viens pas ici. Ok. Hey, madame, c'est comment? Ah, attends, je te rappelle. Madame, c'est quoi ça? Je... Tu manges, tu peux partir en cachette sans qu'elle te voie. Non, maman, je croyais pas, t'es pas. Tu partais pas comment? Tu es debout? Pardon, paye mon argent avant de partir. Maman Chogo, laisse-moi aller chercher ton argent. Chercher où? Attends, tu penses que c'est ta mère qui m'a envoyé ça en route? Oui, je suis seulement contente de voir les gens défiler devant moi comme ça. Non, maman Chogo, c'est que, au fait, je... Si tu veux partir, retire d'abord ce que tu appelles perruque, tu déposes là. Maman Chogo, s'il te plaît. Retire la perruque, tu déposes ici. Non, ne fais pas que je me lève. Maman Chogo, s'il te plaît, laisse-moi aller. Enlève la greffe là, tu déposes ici. Ne fais pas, je me fâche. Parce que si je me lève ici, même la chaîne, le bracelet là. Maman Chogo, que vont dire les gens quand je vais retourner sans ma perruque? Ce sont les gens là qui t'ont envoyé de venir me faire tomber le commerce. Va chez toi maintenant chercher mon argent. Et si tu fais 2 heures de temps, tu n'auras plus ça. Konaté, regardez. Une belle fille comme ça là. Tu sors de chez toi, tu viens manger. Dans mon cafétéria, hey, moi comme le singe.
Vous êtes belle en route comme ça, vous n'avez pas 5 francs en poche. J'ai dit maman Choco. Dame shit, yo. Sunita! Qu'est-ce que tu me veux? Tu vas voir avec ma perruque. Je ne vais pas l'enlever juste pour quelques minutes. Ce que tu fais de ton temps m'importe peu. Ce que je veux, c'est ma perruque. Que je l'enlève et te donne. Je t'ai demandé de la porter. Si ça te plaît tant, tu connais la route du marché. Justine, je suis arrêtée à mon rendez-vous. Que ce soit la dernière fois, ne touche plus à mes choses dans cette maison sans mon consentement. C'est déjà de trop. Justine, nous sommes des soeurs, ce que tu l'as pas oublié. Ça signifie que tu dois toucher à mes choses n'importe comment. Que ce soit la dernière fois. Celle-ci est même sûre qu'elle est l'enfant de ma mère. Son comportement est toujours à part. Madame, arrête de tourner autour de mon mec. De quoi tu parles? Ne me prends pas pour folle, Sheila. Je t'ai vu le sourire tout à l'heure et j'aimerais que ça s'arrête. Je pense plutôt que c'est à ton mec que tu devrais faire ce genre de menace, n'est-ce pas? La jalousie te veut quoi, Sheila? Donc, parce qu'il n'y a aucun mec qui s'intéresse à toi, c'est le mien que tu veux récupérer avec toute ta beauté que tu dégages là. Je t'avertis, oh. Arrête de tourner autour de mon mec. Un homme averti en vaut deux. Voilà. Je suis pas dans ton film. Si tu me permets, je vais apprêter la place pour la cliente. Attends. Ou tu préfères plutôt que je dise à la patronne qu'à cause de tes crises de jalousie, la cliente est venue quand rien n'était encore prêt? Sage décision. Ok, rappelle-moi. Bonjour, maman Choco. Bonjour. Tu veux quoi, mon fils? Je veux la cigarette. Tu veux quoi? Je veux la cigarette. Tu as quel âge? Vamos à la playa. On s'amuse la bande, oui, tous dans le move. Vamos à la playa. Hey girl, hey boy, venez avec nous. Vamos à la playa. On va vous mettre bien pour ça, y'a pas de doute. Vamos à la playa. Hey, hey, vamos à la playa. Vamos à la playa. On s'amuse la bande, oui, tous dans le move. Vamos à la playa. Hey girl, hey boys, venez avec nous. Vamos à la playa. On va vous mettre bien pour ça, y'a pas de doute. Vamos à la playa. Hey, hey, vamos à la playa. Hey, vamos à la playa.